Bon alors, le suivant. Monsieur Azaki, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. Vous savez pourquoi je viens vous voir? Vous m'avez promis des choses concernant l'expulsion de madame Dufour. Alors je voulais savoir où ça en était. Ah oui, vous savez, ou plutôt non, vous ne savez pas. Les procédures sont longues et compliquées. Je crois que ça ne va pas être possible de vous apporter une réponse dans l'immédiat. Mais vous êtes animateur de quartier, vous devriez le savoir. Non mais attendez, je rêve ou quoi là? Ça fait 2 mois que vous me dites la même chose. Elle va être expulsée la semaine prochaine avec ses 3 enfants. Ah, c'est embêtant, oui. Mais après tout, elle n'avait qu'à payer son loyer. Quoi? Qu'est-ce que vous venez de raconter là? Vous m'avez très bien compris. Je vois que je vous fais perdre votre temps et le mien avec. Je sais ce qu'il me reste à faire. Bonsoir, monsieur le député. L'expulsion de Sylvie, c'est pas normal. Surtout qu'elle a 3 enfants. Et le maire, soi-disant, ne peut rien faire. Il y en a marre. En plus, le maire nous a coupé les subventions. Tu sais, Samir, on peut rien en tirer. Hein. C'est avec l'amicale, on se bat contre les bailleurs. Les ascenseurs tombent en panne tous les 15 jours. Il faut au moins 1 mois pour les faire réparer. Ce fait qu'ils sont toujours en panne. Mm-hmm. Salut tout le monde. Ah, Bilal. Ah, Bilal, il est là. Salut, Bilal. Ah. Alors, comment ça s'est passé? Alors, François? Dites-nous. Il s'en fout, le député. Elle avait qu'à payer son loyer, après tout. Quoi? Hein? Ouais, elle avait qu'à payer son loyer. Il veut rien faire. Il veut rien faire. Wallahi, on va prendre les choses en main. Non. Bon, on va s'occuper du cas de Sylvie, hein. Mais faut pas que ça se reproduise. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Faut qu'on nous respecte. On n'a qu'à se présenter aux élections législatives. C'est vrai. Bien dit. Eh bien, Bilal, tu vas être notre président. Pourquoi pas? Bah, attendez, là, mais pourquoi moi? Parce qu'il en faut, hein. Ben, aux élections. Bilal, président. C'est vrai que tu vas te présenter aux élections? Bah ouais, je me présente. Bah à votre avis, les gars, si je me présente, c'est pas pour être député, hein. C'est pour défendre nos idées, montrer que l'on existe. Mais si c'est pas nous qui le faisons, à votre avis, qui va le faire? Hein? Eh bah personne. C'est pour ça que je vais avoir besoin de vous. Est-ce que je peux compter sur vous? Merci, les gars. Écoute, mon fils. Avec des nerfs, franchement, un kiné, je suis pas d'accord. Nora, tu dis rien à ton mari? Moi, j'ai rien à dire. Je le soutiens. Ah bah alors ça, franchement, c'est la meilleure. Nora, elle est d'accord. Ta mère, elle est d'accord. Toutes les femmes, elles sont d'accord. Et qu'est-ce que je peux faire, moi? Regarde, Bilal. Le tract que nous avons écrit ensemble, Nora l'a corrigé hier soir. Mmh, il est déjà à l'imprimerie. Ah, c'est bien. Hé, hé, hé. Regardez la fiche que Samir a vue. C'est bien, hein? Pas mal du tout. Pas mal, hein, Samir? Bravo, Samir. Donc alors, Patrice, tu en feras 500. Ça va dépendre du pognon. Hein. Bon, combien chacun a récolté? Johan? Bah moi, avec mes potes, on a lavé les voitures. Ça rapporte. Hein. Enfin bon, les voitures sont pas sales tous les jours, mais bon. Celles du quartier, on les a tous faites. Ça nous a rapporté 381 euros. Et 12 centimes. Ah, quand même, pas mal. Bravo, vous avez bien bossé. Bah merci. C'est la vente des beignets. J'ai pas compté, mais ça fait beaucoup, hein. Oh. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous vouliez des sous, non? Il y a des sous? Vous n'êtes jamais content, vous. Bon. Qui d'autre peut trouver de l'argent? Moi. Hein? Quentin? Mais comment?
en faisant un concert. De quoi? J'avais caché qu'il était doué comme ça. C'est pas mon fils pour rien. Un petit gamin du quartier qui a du talent comme ça, mais il ira loin. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? J'ai rendez-vous avec mon portable. Je reviens. Il a rendez-vous avec quoi? C'est mon portable. Oh tiens, comment ça va? Je voulais même t'appeler, tu sais. Il y a ma mère qui m'a parlé de toi. Dis-moi, tu te présentes aux élections avec tout le quartier? Ouais, exactement. Ça fait plaisir tout ça. Vous démontrez encore une fois que c'est tous ensemble qu'on gagne le respect. La vie, c'est comme le foot, hein. Au fait, dis-moi, les élections, ça, c'est pas gratuit tout ça? Mais bien évidemment, ouais. J'ai envoyé le chèque à ma mère, elle te l'apportera demain. Non, Mousse, fallait pas faire ça. Tu sais, un soutien moral, ça nous suffit, nous, tu vois. Mais pourquoi t'as fait ça? T'as abusé? Bah écoute Bilal, de toute façon j'ai pas trop le temps là et je te rappellerai. Et au fait, bonjour à tout le quartier. Prends bien soin de toi, à bientôt. Hein. À bientôt, je te rappelle. À bientôt, hein. Salut. Allô, oui. Hello, comment ça va? Ah Bilal, tiens c'est marrant, les grands esprits se rencontrent. Ma soeur me parlait de toi tout à l'heure. C'est pas vrai, attends, j'hallucine ou quoi? Non, non, pourquoi tu dis ça? Bah je sais pas, j'ai eu Mousse il y a 5 minutes au téléphone, il me sort la même chose, j'ai l'impression que c'est une caméra cachée. Ah ouais, je comprends mieux alors, nos amis sont ensemble au comité de quartier. Elle lui aurait pas dit par hasard que t'avais besoin d'argent pour tes élections là? Bah ouais, tu sais bien hein. Tiens, tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir que votre quartier se bouge comme ça. Tu sais, je vais dire quelque chose de très important, y a pas qu'avec la célébrité qu'on gagne le respect. Vous faites évoluer les idées, vous faites bouger les gens, quel que soit leur âge, leur origine. Et ça, franchement, ça mérite respect. Total respect. Bravo, en tout cas. Bon, Bilal, il faut que je te laisse parce que j'ai du boulot, là, je suis en train de travailler. Au fait, t'inquiète pas, tu vas recevoir ton chèque. Hein. Allez, salut, je t'embrasse, ma poule. Ciao. Allô? Allô? C'est vachement gentil. Putain. Hé, les problèmes financiers sont réglés. On n'a plus qu'à passer à l'action. On peut compter sur vous dimanche, madame. Il y a pas de problème. Ouais. Il était vraiment temps que quelqu'un comme vous se présente. C'est gentil, madame. Le plaisir de partager. Au revoir, madame. Au revoir. Merci. Qu'est-ce que tu... Yes, un de plus quand même. Oh, pas trop d'énergie. On a encore 3 étages. Allez, viens. Allez. Le plaisir est fait partout. Tiens, prends ta coupe. Salut Bilal, comment tu vas? Bien, ça va? Tranquille? Ouais, ça va. Rien de spécial? Non, rien. Quoi de neuf aujourd'hui? Oh, il caille un peu, mais ça va quoi. Pourquoi tu mets du blanc là tout autour là? Pour que ce soit propre, on met partout du blanc. Tu vois? Ensuite, on met une seule affiche à nous et on laisse la place pour les autres. C'est ça la démocratie. Non, mais laisse tomber, tu devrais en mettre 4 affiches comme ça. Au moins, t'es sûr de faire quelque chose. Mais non, question de respect. Chacun a le droit de s'exprimer. Bah, il a raison. Ok, question de respect. Bon, t'as fini? Ouais, c'est bon. On va vous laisser. Vas-y, à plus tard. Salut, à ciao. Bon courage. Salut. Une seule affiche, c'est pas bon, franchement. Alors, tu vas placarder partout. Il y en a, ça peut beaucoup plus. Bien remarqué. Bilal, David, qu'est-ce qui se passe? David, t'as pas intérêt à bouger, hein? Pourquoi t'as fait ça là? Il y avait de la place à côté, non? Ah mais qu'est-ce qui se passe là? Vas-y, viens à toi, regarde comment il t'a manqué de respect. Non mais laissez-le, il en vaut pas la peine, c'est monsieur le député de la Chevreuse, vous le connaissez pas? Il a arraché ton affiche? Mais il en vaut pas la peine. Laissez-le partir, il a compris. Alors tranquille, zen, d'accord? Qu'est-ce que tu préfères? Mais enfin, non, on a bon temps quand même. Oui, quand même. On s'arrête de le voir. Vous vendez un petit peu quand même, non? Oui, ça va. Oui, ça marche. Tant mieux. Tant mieux. C'était pour moi dimanche, hein? Hein?
C'est vachement sympa que tu puisses revenir pour le visite, je te jure. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Le plaisir est à partager. Salut Marcel. Salut Marcel. Bonjour Marcel, tu vas bien? Tu nous fais 3 petits cafés, s'il te plaît. 3 cafés, ça marche. Viens serrer le mien, s'il te plaît. On a fait de belles rencontres ce matin. Exactement. C'est vrai que c'était un peu dur parfois, mais bon, on a eu des bons échanges. Ouais, c'est vrai. En plus, les gens sont chaleureux. Tu vois, le porte-à-porte, ça paye. Ça sent le bouc ici, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai, t'as raison. Laisse tomber. Tiens, mais c'est monsieur 0,2%. Même pas, ils pourront pas voter pour lui. Les bulletins de vote, ça ne se vole pas. Ça s'achète. Moi, quand je parle aux gens, je les regarde en face. Vous parlez pas aux gens, monsieur, vous les insultez. Quoi rêver? Un étranger qui me donne des leçons? Il est où l'étranger? Non, mais on est tous nés en France, hein? Mais tu y racontes n'importe quoi, celui-là! De toute façon, c'est pas la première fois, il m'emmerde, celui-là! Il y en a qui n'ont pas compris ici qu'on vient tous de la même planète. Merci Marcel. À plus tard. De toute façon, il y a un problème, vous m'appelez. Hein? D'accord. On fait comme d'habitude. Oui, d'accord. Et allez. Famille, ça va? Ça va, oui. Ça va. Bien, bien, tant mieux, tant mieux. D'accord. Hein, bonjour à madame. Merci, d'accord. Allez. Allez, merci au beaucoup. Au revoir, monsieur. Bon week-end. Merci. Il est gentil. Bon, tout va bien. On arrête tout. On arrête tout quoi? Regarde, on se défonce comme des fous. Y a rien au bout. Bilal, mais de quoi tu parles? Non mais t'as vu tout à l'heure, Nora, la conférence de presse? On n'avait pas un seul journaliste. Mais enfin, c'est pas une raison pour tout arrêter. Le quartier se bouge, ça rime à rien. On fait croire aux gens qu'on va changer les choses. Résultat, nada. Non, t'exagères, il faut prendre le temps. C'est nouveau, il faut juste patienter. En plus, on est toute une équipe. L'équipe se donne à fond pour faire avancer les choses. Mais non, mais calme-toi juste un peu. C'est nouveau, c'est pour ça que ça te fait bizarre. Hein, qu'est-ce que tu fais? Je sors. Mais si Patrice appelle? Je suis pas là, tu lui dis, je vais courir au lac. Et tu reviens quand? Je sais pas, bisous, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Déprimé. Mais il est allé courir au lac. Ouais. Mais il veut tout arrêter en fait. Tu peux passer à la maison? Attends, Patrice, bouge pas, hein. Quitte pas. Oui, allô? Oui? Oui, c'est bien moi, oui. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Bon. D'accord. D'accord, j'arrive tout de suite. Oui, je vous remercie. Oui, oui, oui. À tout de suite, merci. Patrice, ouais, il faut que j'y aille. En fait, c'est des flics qui viennent d'appeler. Ouais, non, c'est Bilal. Je sais pas. J'y vais, je te laisse. Ok, je t'embrasse, ouais. À tout à l'heure. Ouais, bise. J'ai tout vu. J'y étais. Il a sauvé de la noyade la fille de la chevreuse. Oui, de la chevreuse. Bilal était en train de faire son footing. Elle criait et Bilal a sauté, habillé, sans réfléchir, comme ça. Comme un maître nageur. Les pompiers l'ont dit. 10 secondes plus tard, c'était trop tard. Les pompiers l'ont dit. Bilal, ça va? Il a sauvé de la noyade la fille de la chevreuse. Tu te rends compte? J'ai tout vu. Tu vas bien? Ça va? T'as rien? Non, ça va. Oh là là, mais tu m'as fait peur, dis donc, grand couillon. Me refais pas un coup comme ça. Hein? Bien sûr.
Ah, il est pas mal, celui-là. Ouais. Ce dimanche a lieu les élections législatives partielles dans la 5e circonscription de Repa, où Bilal Azaki, notre héros national, est candidat suite à l'invalidation du candidat de droite sortant, Monsieur Jean-Jacques de la Chevreuse. Rappelons pour mémoire que Bilal Azaki a sauvé de la noyade la fille de Monsieur de la Chevreuse. Hier, la première dame de France, Madame Chirac, a déclaré depuis l'Elysée, Monsieur Bilal Azaki, il est beau, il est jeune, il est intelligent, il est dévoué, c'est le gendre idéal. Un être citoyen. Les membres de l'Académie française ont décidé hier de composer la rentrée de Bilal dans le dictionnaire français. Être un Bilal, avoir fait preuve de courage physique, alors que l'intellectuel a poussé à faire le contraire. En attendant que Bilal rentre dans le dictionnaire français, il risquerait bien de rentrer à l'Assemblée nationale. Toute la rédaction de France Info s'est mobilisée pour vous tenir au courant quart d'heure par quart d'heure, en direct d'Europa. Prochain Flash Info d'ici 15 minutes. Excellente fin d'après-midi. N'importe quoi. Tu vas devenir député, mon gars. Voilà, c'est ça. Bernadette Chirac était le comme allez, genre. Bilal, président. Bilal, président. N'importe quoi. Bah non, mais au moins, on parle de nous. Oh, c'est ça, oui. Allez. Attends, c'est bien de parler de nous. T'as entendu ce qu'ils ont dit? Et alors? Bah, il aurait sauvé une fille de nulle part. Là, il a sauvé une fille qui est connue. Ouais. Allô, ouais Bilal, c'est Martial Odon, l'acteur, ouais. Ouais, ça fait hyper plaisir. Bah, je viens de dire ça et tout, je sais même pas quoi dire, quoi. Je suis content, quoi. Un député, enfin, quoi. Bilal, bonjour, c'est Sonia Roland. Je sais pas si tu sais qui je suis, mais en tout cas, moi, je sais qui tu es. On t'a suivi pendant 15 jours. Merci de nous avoir procuré autant d'émotions. Merci enfin de nous représenter. Oui, salut, je m'excuse de vous déranger, c'est Richard Boranger à l'appareil. Ouais. Ouais. Et vous, c'est Bilal, c'est vous que j'ai à l'appareil, là. Eh, félicitations, quoi, quand même, hein. Oh, putain. Bon, alors, c'est quoi, c'est député, c'est quoi? Europa. Ah, ouais. Ouais. Sans étiquette. Ah, ça, c'est super. Les gens du quartier, quoi, tout du coin, quoi. Félicitations. Eh, hey, ça va changer des trucs, ça. Non hein? Sans étiquette, élu par les gens en direct. Félicitations, vraiment, depuis cœur. Bon, ben, maintenant que le verre est dans le fruit, il faut foutre dans tout le fruit, quoi. Hein? Non, je suis très fier, très heureux. C'est un beau jour pour moi. Beau jour. Ouais. Ouais, je monterai vous voir à Europa un jour. D'accord? Très fier. Vraiment. Je peux? Je dis Bilal? Hein? Moi, c'est Richard. Ok? Salut, Bilal. De quel pétrin je me suis fait chez moi? Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire à ces braves gens? Un discours, bon. D'accord, bah. Yeah. Électeurs, électrices, je vous ai compris. Chacun de vos soucis sera pris en compte, comme vous comptez en banque. Ils sont en manque, j'irai chercher l'oseille là où ils se planquent. La gratuité dans les bus et les taximums. Pour votre éducation, je ferai le maximum. La sécurité dans les quartiers, j'éradiquerai. Pour les malfrats, pas de quartier, les éduquerai. Liberté,
égalité, fraternité sont à notre portée. Tout ce dont vous avez toujours rêvé devient par vos seuls bulletins de vote une réalité. Yo, électeurs, électrices, comme vous avez pu le constater, j'ai tenu promesses et engagements. Mais ce n'est pas fini, vous irez de mieux en mieux. Ah oui, de mieux en mieux, je vous le promets. À partir de ce jour, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Les problèmes ne seront plus d'actualité. Grâce à vos votes, vous serez débarrassés de tous vos malheurs. Hey yo yo, hey, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vos enfants n'auront plus à s'inquiéter. Grâce à vos votes, vous serez débarrassés de tous vos peurs. Hey yo yo, hey. Aujourd'hui, les choses ont changé. J'pensais pourtant ne jamais y assister. Ce rêve ne serait accessible qu'aux enfants de mes enfants. Que je ne vivrai pas assez longtemps pour assister au changement. Voir les hommes adopter un autre comportement. Comprendre qu'on n'est pas si différent. Si je rêve, je veux qu'on me réveille sur le champ. À partir de ce jour, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Les problèmes ne sont plus d'actualité. Grâce à vos votes, vous serez débarrassés de tous vos malheurs. Hey yo yo, hey, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vos enfants n'auront plus à s'inquiéter. Grâce à vos votes, vous serez débarrassés de toutes vos peurs. Hey yo yo, j'ai un quart de siècle et un sac plein de rêves. Dans mon arc-en-ciel, black, blanc, beurre en liesse. On a, à part tes belles caisses, diplômes et plein de pèse, personne ne vote FN, man. Tout va bien, t'inquiète, ici c'est la paix. On échange couscous et ma fée. Bacalao et Djeboudjen, Colombo et les Pouchenk. Oh, un muslim qui parle, un AT. Le rabbin et le prêtre partent faire un tour avec des imams invités d'un temple hindou. 1, 2, 3, moi j'ai tout en triple. Plus de soucis, donc j'suis tout le temps triste, yo. Ça a l'air d'aller, toi. Bah, ça va, tout va bien. Non, tout va bien. C'est l'essentiel. Ah bah oui, c'est l'essentiel. Si tout va bien, c'est l'essentiel. Et c'est qu'un film. C'est quand que les temps ils changent pour de vrai?